Dans l'idéal, 1h30 à 2h avant votre entraînement, consommez une source de glucides à digestion lente. Donc ça, c'est fondamental comme source d'énergie pour votre entraînement qui va suivre. Et ça va également prévenir votre corps de ne pas se servir de vos muscles comme source d'énergie. Et donc, ça va vous permettre de soutenir votre effort durant tout votre entraînement. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé de consommer des glucides à index glycémique haut qui vont être trop rapidement utilisés. Alors l'idéal, ça va être de consommer des glucides à index glycémique bas à moyen, comme par exemple des flocons d'avoine, du pain complet ou de seigle, du riz basmati, des pâtes complètes, des patates douces, et bien sûr, évidemment, en contrôlant les portions. Donc en règle générale, il est intéressant de consommer environ 40 à 80 g de glucides, donc bien sûr, selon votre poids, votre métabolisme, objectif, ça c'est évident, 1h30 à 2h avant votre entraînement.